Quand on l'attrape, elle a un peu. Vous l'écartez pas. Notre professeur a proposé à notre classe de 5e un atelier sur la médiation animale pour voir comment les chiens peuvent nous accompagner dans la vie et comment communiquer avec eux. Notre professeur nous a recommandé de lire un livre écrit par un sourd qui s'appelle Fabrice Bertin et qui a lui-même un chien. Ce livre a pour titre « Le théorème de la chaussette ». Nous l'avons trouvé très intéressant et souhaitions lui poser des questions. Nous l'avons donc rencontré. Bonjour à tous. Quel est votre métier ? Alors, j'ai trois métiers. D'abord, professeur d'histoire-géographie. Je suis également écrivain. J'écris des livres. Et je suis également chercheur en histoire. Parce que quand on veut enseigner l'histoire, il faut d'abord faire des recherches et trouver des traces de notre histoire. J'ai donc trois métiers. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, en premier lieu, j'avais envie de raconter mon parcours. Et puis, je voulais aussi raconter comment des personnes qui pensent certaines choses impossibles pour les sourds peuvent se tromper. Et puis, je voulais aussi imaginer comment mon chien percevait le monde et ce qu'il pouvait en penser. Et bien sûr, je voulais montrer tout ce que mon chien m'avait apporté et tout ce qui avait changé dans ma vie grâce à lui. Dans votre livre, il y a une personne qui parle, mais aussi un chien. Comment avez-vous eu l'idée de lui donner la parole ? Alors, comment j'ai eu cette idée ? Mais en fait, souvent, lorsque je travaille à mes recherches ou à mon écriture, mon chien est là et de temps en temps, je le regarde et je me demande à quoi il peut bien penser. Et puis, je me demande aussi, lorsqu'il me regarde, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Et donc, j'avais envie d'imaginer ça. Pourquoi ce titre, Le théorème de la chaussette ? Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si on se met à la place du chien, il est très souvent couché, ou en tout cas près du sol. Et ce qu'il voit en premier, c'est les chaussettes des personnes qui sont autour. Donc, je pensais à ça. Et puis, les chaussettes, en fait, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention. C'est différent de ce qu'on peut porter en haut ou comme pantalon. Les chaussettes, on ne les voit pas. Et donc, j'imaginais ce point de vue du chien. Et puis, très souvent, en fait, moi, je porte des chaussettes dépareillées. Vous savez, souvent, on est obligé de suivre des règles, on obéit à des injonctions, mais on peut tous faire ses propres choix. Et moi, par exemple, je fais le choix de porter des chaussettes dépareillées. C'est un petit peu ma liberté, et face à ces injonctions,
On a tous la possibilité de faire ses propres choix. Avant, quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez un chien? Non. Lorsque j'étais petit, je n'avais pas de chien. Par la suite, j'ai habité à Paris, mais je sentais que j'étais dans un endroit trop petit pour prendre un chien. Et puis, je suis parti de Paris, je me suis installé un peu plus loin, à Poitiers, dans une plus grande maison, et là, j'ai pu prendre un chien. C'est important, parce que le chien est là pour m'assister, mais je dois aussi m'occuper de lui. C'est un échange entre nous deux. C'est pas uniquement moi qui lui donne des ordres, qui lui dit ce qu'il doit faire, je dois aussi le respecter. Pourquoi avoir baptisé votre chien Daman avec ce signe ? Très souvent, Daman posait sa tête sur un support, sur ma cuisse par exemple. Et donc c'est pour ça que je l'ai baptisé ainsi. Hydra, elle fait pas du tout ça. C'est vraiment que Daman. J'avais une deuxième question. Où est-ce que vous l'avez trouvé, Hydra ? Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Vous voyez, sur son dossard, il y a le nom d'une association. C'est une association qui s'appelle Andy Chien. Et donc, c'est pas moi qui ai trouvé Hydra. J'ai contacté cette association. C'est eux qui me l'ont proposé. Il y avait plusieurs chiens. Pouvez exprimer une préférence pour l'un ou l'autre, mais les chiens avaient aussi leur mot à dire. Alors bien sûr, ils ne s'exprimaient pas en parlant ou en signant, mais les chiens pouvaient montrer s'ils avaient envie de travailler avec moi ou pas. J'ai suivi à peu près 2 semaines de formation sur comment vivre avec un chien, sa psychologie, comment le nourrir. Ça a duré à peu près 2 semaines. Et après, je devais passer un peu comme un petit examen pour montrer que j'étais capable de m'en occuper. Ensuite, l'association m'a confié le chien. Donc, j'ai pas payé pour avoir ce chien. C'est l'association qui a géré tous les frais, entre autres les frais de l'éducation du chien. Alors, vous savez que l'éducation d'un chien, ça coûte cher, donc j'ai pas payé. Mais à côté de ça, j'ai essayé de récupérer de l'argent pour cette association. Par exemple, avec mon livre « Le théorème de la chaussette », je reverse tous les bénéfices de la vente de ce livre à l'association pour qu'ils puissent continuer à éduquer des chiens. Des chiens pour assister des enfants, pour assister des personnes âgées, pour différentes personnes. C'est un peu ma façon de les soutenir. Et comment vous communiquez avec vos chiens ? Tout simplement, en langue des signes, soit avec Daman ou Hydra, je signe avec eux. Alors, bien sûr, eux-mêmes ne me répondent pas en langue des signes, mais ils me comprennent. Et comment vous avez fait pour leur apprendre la langue des signes ? Je leur ai pas appris la langue des signes, en fait. Ils me comprennent, par exemple, quand je leur donne un ordre en langue des signes, par exemple assis,
Petit à petit, ils finissent par comprendre ce que ça veut dire. Pareil pour coucher. Mais je leur ai pas appris la langue des signes. Puis, les chiens sont extrêmement intuitifs et très intelligents aussi. Comment votre chien vous aide ? Elle est capable de faire plein de choses. Elle connaît 50 ordres. Plus simple, c'est d'aller me chercher quelque chose. Je peux par exemple lui demander d'aller me chercher mes chaussures. Ou alors, je peux lui demander d'éteindre la lumière. Donc elle utilise sa truffe sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Je peux aussi lui demander de fermer une porte. Dans le cas des portes, par exemple, j'ai une espèce de fil accroché à la poignée qu'elle attrape dans sa mâchoire pour baisser la poignée et ouvrir la porte. Mais là où elle m'assiste le plus, c'est juste par sa présence. Juste le fait d'être là, sans me juger, sans me critiquer. Juste sa présence. Ça, c'est très important pour moi. Vous savez, pour les sourds, c'est pas toujours facile. Faire des études, ça a été dur. Mais voilà, le fait qu'elle soit là, ça m'apaise. Comment vous faites tous les deux pour rentrer dans les lieux qui sont interdits aux chiens ? Alors, il y a effectivement des lieux où on ne peut pas aller avec son chien. C'est ce que dit la loi. Mais pour les chiens d'assistance, c'est différent. C'est pas un chien comme les autres. C'est un chien spécial. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle porte ce dossard. Et donc, avec elle, j'ai le droit de rentrer dans ces lieux. Comment ça se passe avec votre chienne ? Est-ce qu'elle est gentille ? Est-ce que parfois c'est difficile ? Alors, bien au contraire, c'est très agréable. Elle me rend la vie plus intéressante, plus dynamique. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il pleut très fort dehors, ou quand il fait très froid, moi, j'ai pas vraiment envie de sortir me promener, mais voilà, souvent, elle se plante comme ça, elle me regarde, elle me montre qu'elle veut sortir, qu'elle veut aller se promener. Donc, je l'accompagne et je me rends compte que ça me fait du bien, au final, d'aller prendre un petit peu l'air. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un chien d'assistance, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est sa présence. Elle est là, juste sans me critiquer, sans me juger. Juste sa présence me suffit. Puis, il y a des chiens d'assistance pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Il y a des chiens pour les personnes âgées. Des chiens pour des enfants autistes. Il y a aussi des chiens qui sont capables de détecter les personnes qui ont le Covid pour éviter de faire des tests, juste avec l'odorat. Qui sont capables de déterminer qui est malade ou pas. Il y a des chiens pour des personnes qui ont des problèmes d'épilepsie, qui font des crises. Il y a voilà, différents chiens d'assistance. Il y a des chiens aussi pour aller dans les classes pour calmer un peu les enfants. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul chien d'assistance. Il y a vraiment plein de profils différents. Il y a aussi des chiens au tribunal, par exemple, pour des situations où voilà, une personne est vraiment traumatisée par un événement, elle n'arrive pas à s'exprimer,
Et la présence du chien l'aide à se libérer un petit peu, à l'apaiser, à pouvoir s'exprimer petit à petit. J'étais très très content de venir vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Merci beaucoup Fabrice d'être venu, d'avoir fait l'effort de venir depuis Poitiers jusqu'à Paris. Merci à vous pour cet échange. Cette rencontre avec Fabrice Bertin était très intéressante. Trois choses nous ont particulièrement marquées. Nous n'avions jamais vu une personne sourde en fauteuil roulant. Et puis c'était très drôle de voir Fabrice communiquer avec son chien et de voir qu'elle comprenait tous les signes. Et enfin, nous étions très surpris de rencontrer un sourd qui avait écrit un livre. C'était vraiment une rencontre très très riche. Nous avons appris beaucoup de choses, merci. Merci beaucoup pour cette leçon de vie.